ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis point à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tiens debout, ma belle vidéo pour nous lire alternativement le psaume 145, ma belle lire pour vous les deux premiers versets et on va continuer. Et ceci, ainsi de suite. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On pourra me souvenir de ton immense bonté et on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louons, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils louons la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous ces serviteurs en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et c'est conduit dans tous. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il a compris les yeux de ceux qui le craignent, il entend leur cri et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la grandeur de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Continuer à adorer le Seigneur dans un jour spécial, ça, jour qui rappelle nous. Résurrection, maintenant, on a chanté avec moi 67, français chant d'espérance. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. Christ est ressuscité, comme un chant joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté.
De Dieu et à l'édification de toute l'Église, la croix de l'Église. Oh,
Maintenant, invitons Pasteur Pierre-Antoine Michaud, pasteur de l'Église, à venir faire pour nous la deuxième lecture de la parole de Dieu. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Comme annoncé par notre bien-aimé frère Willy, la seconde lecture de la parole de Dieu se trouve dans Luc chapitre 24, les 12 premiers versets inclusivement. Luc chapitre 24, 1 à 12, inclusivement. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. C'est ici que s'arrête la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur donne la bénir pour l'éducation commune de vos âmes. Merci à ses amen. Amen. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, au nom de moi-même, de toute l'Église, je souhaite un joyeux Pâques à chacun de vous ici ce matin. C'est dimanche de Pâques. À ce soir, non, toujours dans la même idée pour continuer à commémorer la mort Seigneur Noir, Seigneur Noir, résurrection. Nous avons gagné un grand concert de Pâques qui a commencé à suivre exactement à 6h30. Rendez-vous pour une parade. J'en ai eu là matin, fait blanc pour que à suivre à nous venir enjoy la grande chorale pour aller chanter et continuer la fête là. On a fait, faut qu'on ait un essai. Nous avons BBS, cours d'été pour les enfants de l'Église, c'est va Timon qui gagne 8 à 12, Timon qui pas gagne l'âge majeur et l'a commencé du 8 au 12 juillet pour inscrire Timonio capable ce Daniel Joseph qui n'a assemblé là, si vous pouvez faire ça ou elle immédiatement. Après le service là pour enregistrer ti monoyo. Continuez à prier pour la mère de la sœur Emmanuelle Saint-Fleur qui est malade et qui est aussi âgée. Priez pour famille ça. Cette année encore, notre conférence sur la gérance chrétienne débutera du 17 au 21 avril. Et conférencier nous c'est pas docteur Balzoa, et fait plan pour que pour là participer dans la conférence. L'Église là a organisé encore une conférence sur l'évangélisation. Il va avoir lieu du 29 avril au vendredi 3 mai. Tous les membres de l'Église ont prié pour prendre part à la conférence de formation. Ça.
Radio Haïti Tropical invite tous les membres de la première église baptisée Ebenezer de Saint-Théodore-Lindo dans un grand concert qui va avoir lieu en date samedi qui va 13 avril pour célébrer le 15e anniversaire. Yo. Frère Siméus et Gary Bible, dans l'auditorium, si vous avez besoin de nous, vous capable d'aider à joindre l'Ibsa. C'est là tout annonce nous pour le matin. Les réveils, nous avons pour nous saluer, ou même qui la matin pour la première fois, ou capable de mettre debout et l'église d'un remède accusé de présence. C'est pour moi qui veut nous saluer les visiteurs sur la matin pour la première fois. Amen. Amen. Nous avons une soeur de ce côté-ci. Amen. Voilà, on a l'autre soeur encore. Pas l'autre. Nous sommes contents de gagner au matin pour adorer le Seigneur. Et espérons nous c'est le monde qui connaît Christ ça déjà. Nous sommes intelligents. Nous sommes contents. On va devoir avec nous matin si vous pas dans une zone nord, ou pas dans l'Indo. Ou de passage, nous souhaitons la plus cordiale. Bienvenue, passons un bon temps dans l'Indo. Si vous avez retourné dans l'église, là, car on va saluer les. Dans l'église, au nom de l'église, sœur ça. Le Abtounet. Si toutefois, ou pas dans le bloc là, ou déménage, ou sont l'église pour adorer le Seigneur, nous n'avons pas cherché encore. Pour faire de l'église à l'église par où, et ou pas progrès. Officieux a passé, yon feuillet, ou qu'a écrit toute information concernant la donnée, et en temps et lieu, pasteur l'église là va rentrer en communication avec vous. Merci de venir, que bon Dieu bénisse nous et retourne encore. Amen. Frères et sœurs, nous pour aller passer dans la prière et c'est pasteur l'église là. Pasteur Pierre-Antoine Michaud, c'est lui qui va intercéder pour matin. Nous pour aller côté le Seigneur. Et juste avant, nous allons tourner le cantique habituel. Moment si doux de la prière. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, en ce grand jour du dimanche, jour de triomphe, jour de joie et d'allégresse, jour qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
voulons nous prosterner humblement à tes pieds bénis pour te salmodier, pour te bénir et pour te sanctifier. Car tu es le Dieu de toute éternité, le Dieu qui dit et la chose arrive. Ce matin, c'est avec mon grande joie que nous voulons te remercier pour ce grand cadeau que tu nous as offert. Oui, depuis l'éternité, où tu as arrangé le cause, afin que tu sois capable de un peuple qui peut parler, qui t'appartient, qui fait partie de ta famille, qui est ta famille, l'Église. Et grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, au dessein et désir que il était satisfait. Parce que l'homme, à cause du péché d'Adam, nous sommes tous nés pécheurs et en route vers l'enfer, un lieu de tourment éternel. Mais voyant notre misère, où tu voyais ton fils, ton unique, pour le devenir, prendre naissance sur la terre parmi nous. Il était vivre parmi nous. Et il est allé à la croix. Et là, il était dit, tout est accompli. Oh, n'était-ce pas ce grand sacrifice? Nous avons encore perdu. Et merci de ce que vous avez donné la foi pour que nous t'ayons accepté lorsque nous t'étendons l'évangile, ta parole, la parole de Dieu. Et cependant, matin, nous ne pouvons pas ignorer que parmi nous, oui, nous sommes encore des pécheurs et nous avons péché au cours de la semaine écoulée. Et c'est peut-être ça, nous sommes conscients de notre condition, nous venons devant pour nous demander pardon. Et merci de ce que Jésus-Christ, il n'est plus dans le tombeau, mais il est maintenant assis à ta droite, comme notre intercesseur, comme notre avocat, grand avocat, il intercède pour nous. Et nous nous remercions de ce que, autant de prières, nous avons besoin de nous, au-dessus. Et maintenant, nous voulons prier pour la première église baptiste Ebenezer d'Orlando qui a été implantée dans ce quartier-ci. Permettre que cette église puisse être un flambeau, une lumière pour toi, afin que ceux qui ne te connaissent pas, lorsque ouais, chrétiens, nous qui sommes membres de la première église baptiste Ebenezer d'Orlando, ça ne peut pas qu'on a un accepté comme sauveur personnel. Cher Seigneur, nous prions pour chaque membre qui fait partie de cette congrégation. Tu les connais mieux qu'eux même. Tu nous connais et parfois même, nous ne pas même connaître ça qui pourrait pousser nous à agir de la sorte. Mais tu nous connais. Et on connaît besoin de nous, on connaît nos fardeaux, on connaît nos problèmes. C'est pourquoi nous prions dans le moment ça a pour intervenir et dire un mot seulement, un mot de toi seulement suffit pour nous délivrer de tout embâche. Oh Dieu d'amour, nous prions pour la sanctification de l'Église. Merci pour ça qu'on fait parmi nous. Et chaque jour, il y a des gens qui passent des ténèbres à la merveilleuse lumière éternelle, qui a fui le danger imminent et le danger qui est à la porte, qui est l'enfer, pour entrer dans
ta famille. Merci, cher Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, de bénir le comité de l'Église, de bénir le diaconat, de bénir les directeurs des différents départements, et de bénir tout le monde qui est au ministère parmi nous dans l'Église. Bénis, ô cher Seigneur. Bénis, famille, ô bénis, petit, ô cher Seigneur. Ouvre les portes pour eux, cher Seigneur. Et nous voulons maintenant prier pour le pays des États-Unis, le pays d'asile qui était ouvert braille pour accueillir nous. Et merci, cher Seigneur, pour le pays ça qui, longtemps, dès qu'on a pris l'évangile pour propager à travers le monde entier. Et maintenant, les États-Unis ont terrain d'évangélisation. Nous prions pour le président Biden, nous prions pour le vice-président et pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, nous prions pour eux, cher Seigneur. Et nous voulons maintenant prier pour notre cher petit pays Haïti qui a tant souffert. Et à cause de cela, les peuples, malgré profession, malgré préparation, malgré formation, c'était plein pour vivre en Haïti, même avec un pile dans nous. Mais nous sommes obligés. Quitter pays pour nous venir dans le pays d'Asie. Nous voulons maintenant prier, cher Seigneur, pour le peuple haïtien. Nous connaissons le peuple salé, il a tant souffert. Il n'y a pas de leader qui pensait au bien-être du pays, mais qui seulement pensait à leur propre intérêt. Et nous prions pour que le peuple haïtien tourne le regard vers eux-mêmes. Et ils ont accepté, et nous connaissons la délivrance d'Haïti, pas qu'à sortir d'aucun leader, quelle que soit la formation, ni érudition, ni, mais c'est de toi et de toi seulement, cher Seigneur. Nous vous remercions de ce que vous attendez, prier. Nous voulons maintenant prier pour le prédicateur en la circonstance qui, dans quelques instants, aura à nous parler. Nous te prions que sa bouche puisse être comme ta bouche. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Toi. Chantez, chantez, louez, 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 chantez, chantez.
chante, chante, loué. Chante, 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 loué. Loué, loué, chante. Chante, chante, loué. Chante, 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 loué. Loué, loué, chante. Chante, chante, loué. Chante, 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 loué. Loué, loué, chante. Chante, chante, loué.
chez nous. Connais à nous de préparer pour la lancer l'évangile là. Jésus, la route va retourner pour la vivre avec vous tout le temps. Kounéa, Christ en s'est là, la tournée, vite chercher nous, Kounéa. Nos défauts, venir à soir en foule et continuer à enjoy et la grande chorale de l'église. Avec invité officiers qui proposaient à faire ça pour nous. Ramasser ou que il dit, mais au fond l'assemblée, alors que Brother Junior va jouer pour nous une version de son choix. Merci bien. Demande de frère Adler Kleska, jeune yo pas réuni après-midi. Pas bien la jeunesse. Frère Adler Kleska qui s'y est. Thank you.
Seigneur, papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire merci de ce que vous, pas jamais suspendre, répondre à besoin. Besoin de toutes sortes. Maintenant, nous voulons par gloire, honneur, l'orange, comme même seul invité, pour privilège nous gagner, pour nous contribuer. Pour avancement, travail dans le monde. Béni chaque main qui te plonge dans le plateau, ça qui te fait avec joie, bah, davantage. Et ça qui te envie faire, mais qui est peut-être pas recevoir de vous-même. Nous demandons, cher Seigneur, bah, yo capable que même joie ça, yo contribuer pour vous-même. Nous demandons toute grâce à vous. Nous en fonction de ce que nous pas gagner. Mais nous prions dans notre Jésus-Christ qui règne, dès maintenant et à jamais. Amen. Après le message, j'avais invité l'assemblée à mettre debout, nous allons chanter avec moi 115 mélodies. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon sauveur. Après le message. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon sauveur, qui remporte à la victoire sur la croix pour le pécheur. Le témoin a déjà sauté, écoutez son nom de Jésus, va de l'avant. Encore, les ressuscités. À nous inviter, pasteur César, c'est lui, Mathieu, encore une fois, qui va bénir nous. Pour Mathieu, pasteur César. Grâce et bon Dieu avec nous. Amen. Joyeuse Pâques. Amen. C'est un grand jour. Et particulièrement pour nous, et chrétiens. Le sujet que nous avons pour matin, hein, c'est l'utilité de la résurrection de Jésus pour le ministère et la vie de l'Église chrétienne dans le monde contemporain.
va répéter. L'utilité de la résurrection de Jésus pour le ministère et la vie de l'Église chrétienne dans le monde contemporain, dans le monde que nous vivons, dans le monde actuel. Là. Jésus ressuscité, c'est le cri de triomphe de l'amour divin en opposition aux forces infernales de l'enfer. Au dire du poète inspiré, Jésus est ressuscité pour toujours, l'enfer est dompté. Il est évident à partir du récit que nous joignons dans les évangiles. Dans Matthieu 27, 57 à 66. Dans Marc 15, 42 à 47. Dans Luc 23, 50 à 56. Dans Jean 19, 31 à 37. Joint au rapport d'archives romains, de l'Empire romain d'alors, que l'innocent crucifié de Golgotha, l'innocent crucifié de Golgotha au milieu de deux malfaiteurs était constaté mort et enterré. C'est un bagage qui était échappé à personne. Et soldats romains qui ont veillé, ils ont constaté que Jésus était mort. Et même, ils étaient venus pour enterrer, ils étaient étonnés de ce qu'il était mort si vite. Parce qu'ils sont habitués là-dedans, ils connaissent que nous avons pris 6 à 9 heures de temps pour mourir. Ils étaient étonnés. Pour le regarder où Jésus mourit, il est obligé de percer un côté. Comment pour le dire, ouais, si c'est vrai, il mourit. Donc c'était sûr. Et les archives de l'Empire romain, ils ont rapporté. Ils ont rapporté avec étonnement ça. Amen. Il n'y a pas que relé Jésus malfaiteur. Et c'est important pour nous comprendre ça. Dans l'archive empire romain, les a rapporté la mort Jésus, il n'y a pas relé le malfaiteur. Il y a relé se crucifier. Comme si, si tu as dit ça en anglais, on a dit that crucified man died unexpectedly. C'est comme ça, rapporté. Donc, il n'y a pas de gain if or but que Jésus t'est mort. OK? Et ça arrivait, c'est que presque personne, dans l'époque ça, et même les disciples de Jésus, ils n'ont pas fini de croire dans la résurrection. Ok, par exemple, dans l'époque ça, par exemple, qui croient dans la résurrection. Ils étaient plus dans la réincarnation. Et au songe, le Jésus, t'es un des disciples qui dit vous que je suis. Un disciple dit, ou même on dit où c'est Élie, où c'est. Parce que il était plus quoi dans la réincarnation, il n'y a pas de quoi dans la résurrection.
Et c'est peut-être les principaux sacrificateurs hein, et les pharisiens, mais ça c'est tout dépend de circonstances, et qui étaient quoi, qui étaient pensés, pas quoi non, ils pensaient, ils songeaient que Jésus t'a dit la ressuscité. Après 3 jours, il y a le côté Pilate, il dit Pilate, faut veiller, tombe non pour 3 jours. Amen, parce que nous songeons que blasphémateur ça, il était dit que la ressuscité dans 3 jours. Donc, il même été plus ou moins là, ça dépend des circonstances et puis. Dans l'intérêt. Mais tout le monde, pas de monde qui était quoi dans l'affaire résurrection. Et toutefois, en moins d'une quinzaine de jours, la résurrection de Jésus est venue incontestable, particulièrement. Non. Et dans le monde de ses disciples, et particulièrement dans la confrérie de ses disciples, et pour le monde de leur entourage, tenant compte des diverses manifestations de et présence. Jésus au milieu d'eux. Jésus était l'aile ressuscité, jour ressuscité. C'est formidable. Il paraît, il fait plusieurs apparitions à disciples et sous chemin. Il paraît dans le mi-temps, il paraît sur le chemin. Il paraît au fort de les activités ordinaires. Et ça t'a apporté réconfort aux défaillants. Il t'a apporté de la foi aux sceptiques, à monde qui était douté, qui était gain doute. Il était porté au relèvement à monde qui chutait. Il portait force à monde qui en défaillance. Et il portait la joie aux attristés. Une nouvelle vision d'accomplissement à tout le monde qui a accepté le défi de suivre Jésus sur le chemin de la réhabilitation et du renouvellement de vie chez le prochain démuni, désabusé, désespéré de tout. Même de l'espérance. Oui, la résurrection de Jésus vient offrir nous un nouveau printemps avec l'assurance d'une éternité bienheureuse. Selon Luc 24, 36 à 53. C'est dans l'optique ça que moi osé dire nous que la résurrection de Jésus-Christ est utile au ministère et à la vie de toute Église chrétienne. Je vais vous dire pour me dire que et ça n'a pas célébré aujourd'hui, c'est nous-mêmes seuls. C'est l'Église chrétienne seulement qui gagne bénéfice pour célébrer.
c'est pas quelque chose que le monde en général a fait rassembler pour célébrer. Oui ou non? Ils ont inventé les œufs de Pâques pour qu'ils fassent une promesse avec bagaille. Mais ils n'ont pas de moyens réellement pour commercialiser ça n'a fait là aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que moi je crois que l'Église chrétienne a besoin de mettre accent réel sur célébrer la résurrection de Jésus. Il n'a fait pas nous. Pour autant que nous faisons partie de ce peuple qui a accepté suivre Jésus sur le sentier de la réhabilitation et du renouvellement des affligés, des démunis. Hein? De ça qui captif du péché, de ça qui. Si nous acceptons réellement pour nous suivre Jésus sur route là, pour porter délivrance ba yo, nous c'est moun sa yo qui a un droit célébrer aujourd'hui. Et son grande fête. Et puisque je parle de l'Église chrétienne, nous faisons. On a commencé à parler à nous-mêmes. On a commencé dans la première église baptiste Ebenezer. Nous avons une responsabilité, nous avons un droit, nous avons un avantage, nous avons une raison pour nous célébrer la résurrection de Jésus. Revenons aux lectures. Mettez aux lectures parce que nous avons un peu de lecture pour nous faire, mais pas dans un service comme ça. Revenons à la lecture qui nous a été faite quelques heures de cela. Nous sommes capables de remarquer un peu l'utilité de cette fête de Pâques que l'Église chrétienne est invitée à célébrer chaque année à pareille époque. C'est toujours le premier mois de l'année, non, année juive là. OK? Et qui rivait tout pour l'année chrétienne. Parce que on était rangé de telle manière que Christ est mort dans la même époque, que dans la même période de temps que le peuple Israël a été sorti en Égypte, plus de 400 ans auparavant. Donc c'est pour garder que Jean la Bible là, vraiment, c'est un bagage qui ordonné, coordonné et en ligne. OK? C'est un bagage qui fait correctement. Pas d'aucun homme sur la terre qui te cabrangé comme ça. Hein? Pas de monde sur la terre qui te cabrangé comme ça. Et ça troublait un pile grand homme de l'histoire. Et parfois même, juste des hommes religieux qui ont essayé, ouais, si vous êtes capable de changer, la gaille, si vous êtes capable de mettre un autre gens. Mais ça, vous n'êtes pas capable. Parce que ça a été fait en Égypte là, répétition, parce que ça a été fait en Égypte là, c'était. Comment on a dit ça, maestro? Répétition est à faire.
C'est répétition que tu as fait. C'est comment pour ça que tu es une fête au temps de la mort de Jésus. La fête de Pâques, c'est une fête chrétienne. C'est une fête de l'Éternel. C'est une fête des rachetés, pour les rachetés. C'est moun sa yo qui t'est délivré de l'esclavage de l'Égypte. Prototype de l'esclavage du péché. C'est moun sa yo qui t'est appelé à célébrer la Pâque. Et Je vais faire un rappel là. En lisant Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On va parler de Pâque. Il faut qu'on ait de qui ça va parler. La Pâque de l'Éternel. C'est ça la Bible dit. Et qui me garde de l'autre côté là. Il y a Exode 12, verset 11. Je ne vais pas prendre trop de temps. Exode 12, verset 11. Nous lit un bagage comme ça. Qui nous dit j'en pis chercher content encore. Et pour nous comprendre, et elle n'a parlé de Pâques, de qui ça n'a parlé. Avant d'aller plus loin, on nous garder ça. Exode 12, je me garde. Dans verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. OK? Donc, qui ça a été pour manger? C'est l'agneau qu'on devait immoler entre les deux soirs. Pour y avoir un sang, pour y avoir couvert tout linteau, toute porte, côté les enfants d'Israël. Agneau, ça, c'est une offrande à l'Éternel. Une offrande à l'Éternel pour qui ça? Parce que les anges destructeurs, là, t'es qui pour venir pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. L'elte ouè sans agnioa sous l'into portio, sous poto portio, l'ite passé au Passover, Pâques. OK? Parce que l'ite ouè sans, l'ite épargné tout kay côté santé. Maintenant, l'Éternel te baille à peuple là. Liberté pour te manger viande. OK? Mais il dit c'est pour manger à la hâte. Parce que pendant un jour que tu as passé, comment, sous toute caille nous, là pour être gagné sang, il n'y a pas tué nous, c'est là pour nous mettre quoi nous dire. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça le dit, nous, dans l'Ancien Testament. On nous garde dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car
Christ, notre Pâque. Hein? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sans levain. Nous sans et masse péché qui infiltrer toute la vie nous, qui fait que nous pas capable œil tout œil, j'ai avec bon Dieu. Bon Dieu pas capable. Parce que Christ est immolé. Parce que Christ est immolé. Sans l'été versé, nous sans le vin. Nous tous qui croient dans lui-même. Nous tous qui acceptons comment offrande propitiatoire. Donc, c'est, il dit qu'à Christ, notre Pâque a été immolé. Ça dit offrande. Je voulais dire, je me dis ça pour me faire comprendre que la célébration commémorative de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un comme d'ado ou reçu. OK? Le fait que Jésus ressuscité, son reçu, qui fait qu'on est que d'être la paix? D'être la paix. Vous comprenez? Parce que si Jésus est mort, il était de côté, il était dans ton bois. À qui ça? À qui ça nous sommes capables de prouver que nous vraiment rachetés? Est-ce que je n'ai aucun autre maître religion, chef religion, est-ce que je n'ai aucun autre monde comment, qui m'a ressuscité? Et que tout le monde constate? Comme on dit où? Il va prendre pile temps, non? En dépit de tout ça que Mounio fait pour être capable d'éliminer la résurrection. Les soldats qui ont veillé, les pour tes nouvelles là, bye, souverain sacrificateur maintenant et tout le monde ça au grand prix là religieux. Vous ça fait yo bay monsieur une forte somme d'argent. Après l'argent c'est attention hein? ou ka vendre nan mou pour l'argent. Yo bay monsieur une forte somme d'argent pour monsieur al faire connait que yo tap dormi. C'est pas une étape dormi, semble-t-il, disciple, vin voler quoi. Est-ce que nous comprenons que dans la suite des temps, non seulement le salaire fait publication, ça, moun pat kwel, mais après, 5 siècles plus tard, le gouvernement romain a démenti. Ça bagaille ça. Donc, parce que c'est une insulte au gouvernement romain. Pourtant, dit il y a un soldat qui a veillé, ils ont inculpé de cette taille pour soldat à permettre l'abdomen. Et pour soldat ça, même s'il t'a dormi vrai, pour t'a gain chance pour la faire publication pour le dire ça. En plus romain. Oh non. Donc 5 siècles plus tard, il a démenti ça. Donc la résurrection de Jésus. C'est aussi là que nous gagnons.
Amen. Et c'est l'utilité prédominante de la résurrection de Jésus. Parce qu'il a été, il a été ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, l'heure nous paraît pour nous dire nous juste, nous avons reçu ça pour nous bailler, pour nous dire mener. Nous t'es payé. Nous t'es payé. La dette a été payée. Et bon, hein, pour nous célébrer la résurrection de Jésus. Pour nous faire grandir, pour nous parler de ça. Mais il faut sûr que vous effectivement racheté. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est pas vous payer. Mais c'est Jésus qui payait de sa vie. Il était de ressusciter pour être capable d'identifier ensemble avec lui, pour être capable de faire connaître. Comme lui, il est le juste. Il déclare nous tous justes. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de la paix avec Dieu. En témoin, la résurrection étant survenue le dimanche matin, d'où notre fête en l'honneur de l'Éternel, une simple convocation commémorative de la résurrection de Jésus, notre Rédempteur, le reçu de notre justification. Le prix imposé par tribunal. Tribunal céleste, là, il paye. Et nous vient la résurrection comme preuve de notre justification. Nous pas gain temps. Pour nous ta ouais. Tout bénéfice. Nous sommes capables de dire nous seulement. Non, récit, Luc 24, là. Après, lecture que le pasteur a fait pour nous. Les versets 13 à 53. Nous jouons une succession intéressante d'apparitions du ressuscité à différents individus ou groupuscules d'individus. Il y a tout ces monde qui étaient dans cercle et disciples, monde dans cercle monde qui était qu'on a suivi Jésus l'été avant de mourir. Et ça a enseigné nous quelque chose. Simplement, après, garder ensemble avec nous. Et trois passages m'appellent pour nous. Luc 24, à partir du verset 13, attendez. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, deux disciples. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, il racontait Jésus toute qualité de bagaille. Là, Jésus dit, oh, mais de qui ça n'a pas parlé là comme ça? Ça nous triste comme ça. Oh, il y a une Cléopâtre qui dit, oh, est-ce que c'est vous-même seul qui est à Jérusalem?
Et par contre, ça qui passé à Jésus. Le prophète de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions de disciples. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous sont fort étonnées, nous ont fort étonnées, s'étant rendues le grand matin, le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Alors, Jésus leur dit, ô homme, ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village et où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, et prit, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Mais sa résurrection, Christ, capable de faire pour vous. Mais à quoi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est utile à l'Église? La résurrection de Jésus-Christ capable d'ouvrir les yeux. Il est capable de permettre ou comprendre ça que vous n'êtes jamais capable de comprendre. Et puis, on est dans la mesure où immédiatement, Jésus, j'ai ouvert, j'ai réalisé que c'est Jésus, et puis, et avant que tu aies viré tête, pour que tu aies viré le balai, je cherche Jésus, tu as cousé, puis tu vas voir. C'est que Jésus sorti. Il dit Jésus sorti, là, le fait route. Il sorti pas même temps qu'il a fumé. Parce que je ne sais pas rien. Il est simplement. Oh. Allez. Il laisse à monsieur, il dit, ah, monsieur, t'es prêt pour passer la nuit après le descendre, bagaille ça, je te vais à la presse, Jésus, pour te rêter. Il laisse à monsieur, dit, oh, quand on a, on nous fait vite n'aller. Retourner à Jérusalem. Ouais, utile. Utilité résurrection.
c'est que il est capable de mettre sous orteil comme chrétien. Pour aller faire ça que ou connaît ou te gain pour faire et qu'on pas faire. M'a regardé un dernier passage seulement fini. Et m'a regardé Jean 20. Jean 20 à partir du verset 11. Oui, nous voilà dit m'a en pile. You know I don't mind that when l'aime gain commission pour me faire. Jean 20. Dans Jean 20, à partir du verset 11. Jean 20, 11. Simon Pierre monta dans la... Non, là, c'est 21. Je ne vais pas me mentir ça. Jean 20, 11. Yeah. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Marie de Magdala, oui. Qui est Jésus qui va reconnaître, oui. Il y a plusieurs théories. Il dit, peut-être parce qu'elle t'a crié, au moins, et puis il n'a pas fait clair net. Au moins, il a fait le patois, c'est Jésus. Bon, c'est blague, oui. Il n'a pas de reconnaître Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherche-t-il? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui signifie « mon cher maître ». Oui. Immédiatement, Marie tendait la voix de son bon berger. Et comme brebis, elle reconnaît la voix de son berger. Mais ça que résurrection de Jésus est capable de faire pour vous. Il est capable d'identifier vous. Sous son berger, sous son brebis. Vous entendez voix et vous connaissez voix. Et puis, Marie fonce sur Jésus. Jésus dit, ne me touche pas.
car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. La grande pile cause là dans la rue. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ok? Va bien temps. Et maintenant, Jésus mandé Marie pour Marie pas toucher elle parce que elle peut commenter, elle peut commenter vers mon Père. L'air où prend et grec là. Là, regardez l'article que Jésus employait. C'est l'article qui signifiait, vous comprenez, mon père ou bien mon égal. Ok? Là, il dit mon père. C'est ça, je lui dis. Son premier démarcation que Libaïma. Libaï Marie, pour faire Marie connaître, que l'Elte enseigne la prière, Dieu, pour nous dire notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas parlé de lui-même là-dedans. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est nous-mêmes qu'il te dit pour nous dire notre Père. Mais pour lui-même, c'est mon Père d'éternité, de génération éternelle. Nous-mêmes, nous devenus les enfants d'adoption. Et selon la loi romaine, nous avons plein privilège, tant que n'importe petite légitime, etc. Donc Jésus, immédiatement, trace les lignes de démarcation pour Marie. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, allez dire à mes disciples, allez dire à mes frères, oh, avant la mort de Jésus, les disciples étaient, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jamais avant, Jésus n'a pas traité les disciples, frères. Jamais avant. Après la résurrection, ayant payé le prix, maintenant, ils sont devenus ses frères d'adoption. Allez dire à mes frères, résurrection Jésus, fais de moi-même ensemble avec nous, les frères de Jésus. Nous ne sommes pas amis, nous sommes. Nous sommes frères. C'est ça, fait, dis-nous, je prépare une place pour nous. Et je retourne chercher nous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Troisième lieu, troisième bagaille, il fait de Marie, de Magdala. Ça son bagaille, on tient un point de temps. Il fait de Marie, de Magdala, l'apôtre des apôtres. La sœur. Pas gain deux dans l'histoire du christianisme. Mon seul, Marie de Magdala, devenue l'apôtre des apôtres, allez dire à mes frères,
que je vous précède en Galilée, c'est là qu'il me verra. Amen. Seigneur, tant manqué pour nous de considérer les bénéfices de la résurrection. Grand pile. Mais pendant que je dis nous, joyeuse Pâques. Je me soumets à la méditation. Peut-être à soir, après nous sommes dans le conseil. Je me soumets à la méditation, à la lecture méditative de Jean 21. Pour nous garder pour nous. Comment la résurrection de Jésus est utile pour notre ministère, pour notre service de Dieu. Sans Jésus ressuscité, service nous est très pauvre. Il est capable très pauvre jusqu'où il y a, parce que nous beaucoup faisons, Jean mon Dieu, le pour nous faire. Que mon Dieu bénisse. Amen. On a mis fin à la première partie de service là, on a été debout, on a chanté avec moi avec cœur, joie. On a chanté premier et quatrième couplet dans le cantique ça qui dit brisant ses liens funèbres. On a chanté premier et quatrième couplet à seulement. Brisant ses liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Puisque ta mort fut réveillée, alléluia. Tu triomphes de la vie. Alléluia. Je veux au monde divin roi. Alléluia. Mourir et naître avec toi. Nous avons passé dans la deuxième partie du service, que nous avons un privilège en ce grand jour de Pâques et pour nous commémorer. Et pour ce faire, nous avons chanté le numéro 62 des Chants d'Espérance, section française, correspondant au numéro 249 sur les ailes de la foi. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. 62. Regarde à m'angoisser au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur, contempler le frère. Un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois, la vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde, regarde à la croix. Bien-aimé, je voulais rappeler donc que le Seigneur Jésus, avant qu'il était retourné au ciel,
Il est quitté pour nous, qui sommes membres de sa famille, qui est l'Église, deux ordonnances. Première ordonnance, là, c'est le baptême. Tout le monde qui croit, qui a accepté le corps de sauveur personnel, ou ils sont baptisés. Et bibliquement parlant, c'est le baptême par immersion. Et c'est pas lorsque vous êtes petit, vous êtes baptisé, c'est vous-même qui vous prend décision volontairement pour baptiser. Et deuxièmement, c'est la Sainte-Seine, ça nous va le faire là. Nous va le prendre en communion, nous va le communier ensemble. Mais nous voulons rappeler également que il y a deux empêchements ou capable, deux empêchements pour que vous soyez capable de participer avec nous, ou vous devez sauver ou baptiser. Premièrement, vous devez sauver, ben, ou pas baptiser, ou pas capable de participer avec nous. C'est premier là. Cependant, nous avons une classe baptême qui est en cours chaque dimanche. À 9h, nous avons une classe de baptême, il y a des gens qui la donnent. Et si toutefois, aux réalités qu'on sauve, mon pas baptisé, on besoin de faire ça. Ou avec moi immédiatement après le service. Deuxièmement, on doit sauver ou baptiser mon grand péché dans la vie. On pas capable de participer avec nous. Mais heureusement, nous avons un avocat auprès du Père. On doit le côté lui, mais depuis le pardonner, on est libre pour participer. Dans le fond, on doit deux passages ici à Orlando. Mais de pour une bonne relation avec le Seigneur, même lorsqu'on n'est pas membre de l'Église, on est capable de participer avec nous. On allait auprès du Seigneur, parler avec lui, et il est capable de l'appeler pour nous, et pour nous capables de participer ensemble. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous contents de ce que matin, nous sommes capables de réunir devant ta face, en ta présence. Et nous voulons premièrement remercier pour le sacrifice de la croix qui fait de nous-mêmes tes enfants bien-aimés. Nous vous remercions pour tout le monde qui devrait accepter ou et qui a ensemble avec nous participé à la table du Seigneur. Bénis-yo, bah, yo davantage de victoire dans la vie chrétienne. Yo gen d'autres qui accepté ou, yo baptisé. Mais, ou relation, li brisé. Koun y a, cher Seigneur, tandis que yo devant, et nous connaissons ou à la porte, ou ka vini n'importe qui l'heure. Et, si nous pas ranger, cause nous avec ou, l'enlèvement fait, n'a prêté. Et si nous t'es sauvé tout bon, dans le moment ça a nous besoin, nous voulons réconcilier avec vous. Fais ça pour vous. Bénis-vous. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour bénir Père. Amen. Pourquoi fut-il frappé par les foudres du Christ? La femme. Pourquoi chanter Jésus-Christ par 55 chants d'espérance section français. Christ est brûlé sur la colline et cloué sur la croix. Christ est brûlé sur la colline. Écloré sur la croix. Mais
couronnée d'épines, je te couronne, roi, pour me rappeler Gethsémané, pour me rappeler ton agonie, montre-moi ton tombeau si sombre où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient. Quand au jardin, toujours humide, j'entre en portant mon don. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour moi. Je veux goûter à vous-même que tu brises pour moi. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut prédit. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et dit, « Ceci est la nouvelle alliance en mon corps. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Bien-aimés, mangeant ce pain en mémoire de la chair de Jésus-Christ, rompit sur le bois infâme du calvaire, à cause de nos péchés. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Bien-aimés, buvons cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ versé sur le bois infâme du calvaire à cause de nos péchés. Psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Je me fais reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bâton me raturent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Tandis que Diakio a fait un diakio. Et Pablo Diakio, ici à la première église baptiste Ebenezer d'Orlando, nous fait de notre mieux pour nous capables d'imiter l'église primitive, qui sont l'église d'amour. Et par conséquent, nous pratiquons l'amour parmi nous. Et c'est ainsi qu'après chaque service, nous avons toujours ramassé offrande spéciale. Offrande là, ce n'est pas pour l'église à nous, mais c'est pour nous, pour un monde ou deux mondes dans le sanctuaire là. Et c'est ainsi que il y a passé plateau rapide et pour nous, et puis on va mettre dans l'enveloppe là, ça que bon Dieu mettait dans le cœur. Et puis après ça, on a choisi un monde ou deux mondes dans l'assemblée. Et puis, c'est mon nom qui a brossé voile. OK? On a fait ça pour nous rapide. Et on a chanté « Par sa grâce, je suis sauvé ». Par sa grâce, je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Car il prit à ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir, mon Sauveur. Glorifié par ma vie, m'a ressuscité. Et désormais, je veux servir, mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Le chemin peut être épide, où il va me diriger. Mais ma main est à la charrue, pour lui je veux travailler. Et désormais, je veux servir, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Oui, sois mon offrande entière. Je veux te servir toujours. Et désormais, je veux servir, mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. Je me place sur son autel, lié par les liens d'amour. Oh.
bonne, sois mon offrande entière. Merci. Je veux te servir. Recevez la bénédiction. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion de cet esprit, soit demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Joyeuse Pâques. Comme vous voyez, joyeuse Pâques. Petit prime, ça c'est bien. Let's go. Oh. Let's go. Mais ça, j'ai ma pensée à vous. J'ai ma pensée à vous. Oh, oh. Bon.